Salut tout le monde! On revient donc sur Elex. On se balade chez les Outlaws. Enfin, chez les Outlaws, non, chez les exilés. Puis, à mon avis, il doit y avoir un téléporteur pas loin. Si tu cherches bien, mec, je suis sûr que tu trouveras ça. Bon, sur cet épisode, il faut que j'améliore mon épée. Et globalement, je serai prêt à affronter pas mal de dangers, puis de ces contrées. Puis après, quasiment 30 heures de jeu, on dirait. Oh! Malheureusement, je n'ai pas d'anti-poison. Le poison va me tuer de toute façon. Ça sert à rien que je vienne ici. Lui, je peux essayer de le pouler pour le tuer, mais de toute façon, je ne pourrais pas rentrer, j'ai pas d'anti-poison. Je veux dire. Hey Chrony, tu peux le faire, non? On est où là? Donc si on veut aller par là-haut, c'est pas possible. Quelle est cette grande chose? Oh, il doit bien avoir un téléporteur ici. Analyzing structural integrity. Il y a des gens là. Oh, des écorcheurs! Ah, les écorcheurs, il y a quelques épisodes, ça aurait été impossible d'en tuer, mais là, maintenant, ça va, je les gère assez facilement. Et encore, je vous dis, puis j'ai mon arme à améliorer, donc quand je l'améliorerai, les pauvres, ils vont prendre tellement, tellement cher. Gondar, c'est qui Gondar? Ça me dit quelque chose, ce nom Gondar.
C'est un truc audio? Hello? Hello, me. This is yourself talking. Your past self. Take my advice. Think before the conveyor belt. Because they saw me. The plan failed. They saw me before I even got there. Now, I need to return to our camp. My camp. At the waterfall. I will have a better view of things from up there. Ok. Donc il venait de l'ascenseur apparemment. Holy shit! La personne m'a balancé une grenade à la gueule ou quoi? Je crois, hein. Ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a piqué. Faut que j'aille dormir. Ou tout simplement que je mange, hein. Ok, ça va être long de régène en mangeant, mais ça va se faire. Hein. Il y a un truc là-dessus, là, non? Non? Ça peut être ramassé ça? Oh, ok. Faut vraiment que je prenne le skill qui double la régène de la bouffe. Enfin, au moins qui augmente la régène de la bouffe, je sais pas si c'est doublé ou pas, mais. Encore un tableau. Hein. Derrière les tableaux, vous allez en trouver, mais vous pouvez pas les utiliser, quoi. Lance-harpon, voyez-vous ça? Dégâts 31. Ouais, c'est pas terrible. C'est quoi les... Ah ouais, il y a un truc pour dormir, c'est ce qu'il me semble. On va dormir jusqu'au matin. Initiating area scan, detecting high levels of obsolescence. Ship commenced. Beck is back from sick leave, so we've got a full crew today. Should mean we get back on schedule. Instructions have come in to stop the shift immediately. I can't believe the news. How could they not have seen the thing earlier? How could they not have told us? Oh God, I have to go home. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils ont vu de si terrible. Bon, quoi que ça ait été, de toute évidence, c'était il y a très longtemps, donc ça n'est plus là maintenant, mais... Waouh, c'est grand ici. Anneau de constitution, tiens donc, qu'est-ce donc que ça? C'est ce que j'utilise, ah oh, cool, bah voilà, ça va me permettre de faire de l'argent tout ça. Il n'y aura rien. Deux bouteilles d'eau, bon, ça peut être bien pour faire certaines potions de soins. Oui, voilà.
J'avoue que le contenu des coffres, au début il a été sympa, et puis depuis 7 ou 8 coffres, c'est totalement de la merde. Faucheur sanglant, qu'est-ce donc que ça? C'est normal demain. Dégâts 57, dégâts saignement. Ah, ça, ça doit être bien. Hein. Ça doit tabasser par contre. Là, c'est une belle arme, le faucheur sanglant, là. S'ils sont des dégâts de saignement, c'est du dot. Si c'est du dot, il est fort possible que ce soit tout à fait intéressant. Cette mort ridicule. Ouais, donc là il y a des trucs à chercher là. Mais je peux pas aller chercher et je peux pas me tenir sur le truc pour aller. Là, peut-être. Alors, j'ai la potion de guérison, ok. C'est un grand sac d'élexite, ok. À terme, j'aimerais aussi beaucoup m'acheter un nouveau bouclier, tant qu'à faire, ou arrêter les boucliers. Pourquoi pas aussi? Alors, ça nous amène où là-haut? Je sais pas vraiment ce que je fais là. C'est pas grave, hein, on est là pour explorer après tout.
Bon, bah, les racines amènent ici, c'est tout. Ouais, bon. Ah, ok. Oui, bah oui, forcément. Lui, c'est un vilain, lui. Ou je m'y connais pas. Mais mec, c'est sur lui qu'il faut taper. Tu vois les dégâts de saignement, ce que ça fait? C'est très très fort, en fait. Les dégâts d'énergie, c'est très fort. Les dégâts saignement, je trouve que c'est très fort. Oh, le roi de bord, il m'a tué là, je crois. Exact. Exact. Ah, cool, il faut redescendre. Bah oui, quelle chance, j'ai pas sauvegardé. Initiating system optimization. Recommend environmental analysis. Bon verdict, après une trentaine d'heures de jeu, je m'amuse toujours autant. Ce jeu est toujours fun, agréable et bien foutu. Verdict, jeu totalement validé. Les gens qui se plaignent, ouais, mais il vaut 50 euros ce jeu, il les mérite plus que largement. Tous les jeux AAA que vous allez voir et qui sont vendus 50 euros, je veux dire, ils n'ont pas le tiers du quart du contenu de ce jeu-là, quoi. C'est-à-dire, ça fait 30 heures que j'y suis, j'ai même pas mis les pieds à Tavar, j'ai même pas mis les pieds à Ignadon. Je suis loin d'avoir fini ici. Je revoyais le truc, quoi. Hey! On se calme, oui. Donc effectivement, vous voyez la quantité d'heures qui a passé, je veux dire, je pense que si tu veux tout faire, il y en a pour plus de 100 heures, quoi. Fastoche. J'ai pas trop été voir Abessa non plus. Un petit peu, mais voilà, j'ai passé quelques heures, mais c'est tout. Du coup, je me dis, j'ai encore énormément de contenu à voir. Après, effectivement, tu level up essentiellement sur les quêtes. Et comme là, je suis pas... En fait, si tu level up, faut aller en ville, prendre des quêtes et faire les quêtes.
Dès que tu t'écartes de la ville, oui, tu vas trouver des quêtes dans la nature, comme là, la quête que j'ai trouvée avec Bloody Ben, là, qui m'a fait monter un niveau direct. Mais en dehors de ça. Les quêtes en dehors de la ville, il y en a, mais pas des masses. Pour ça, je pense pas que sur le long terme, effectivement, l'exploration soit aussi récompensée qu'elle aurait pu l'être. Mais encore une fois, je pense que tout ça, ça repose sur un mécanisme qui fait que le bash vaut rien. C'est obligé de faire que le bash vaut rien. C'est le respawn des mobs, quoi. Mec. Ouf, putain, ça a été chaud, là. Les dracons de vase, ils valent quand même le coup, hein. Par contre, tu trouves des tuyaux sur... 4 tuyaux sur un mob comme ça, je veux dire... qu'est-ce qu'un mob comme ça faut avec des tuyaux sur lui, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Oh, c'est pas grave si on sait pas. Après, c'est pas comme si. C'est pas comme si c'était vital de savoir, n'est-ce pas? Bizarre qu'il n'y ait pas de téléporteur dans le coin. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a là-haut, mais clairement, il y a un jeu de plateforme pour y aller là-haut. Donc quand il y a un jeu de plateforme comme ça, c'est qu'il y a quelque chose en haut. Là, ces plateformes, elles sont pas laissées comme ça sans raison. Bonjour dehors, bonjour, bonjour. Une petite gemme bleue ainsi qu'une potion de soin. Une grande potion de soin. Bon, d'ici à ce que tu aies besoin de grandes potions de soins, faut vraiment avoir beaucoup de vie pour avoir l'usage de grandes potions de soins. Là, j'arrive en haut, là, et il n'y a rien, en fait. Hein. Bah, t'as eu une grande potion de soins, hein, une petite gemme, hein. Et une potion de mana hein, aussi que t'as complètement loupé. Ok, bon bah écoute. Oh là 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 là, le roi de bord qui me saute sur la gueule là, ça va 2 minutes, mais c'est bon.
Hey, Crony. Ok, bon. Bon, on va passer une petite demi-heure sur cet endroit. On a trouvé un truc par rapport à Gondar. Je sais pas exactement qui est Gondar. Certainement y avoir quelque chose par rapport à lui. En gros, fais gaffe, il y a des monstres, quoi. En soi, c'est pas faux. Il y a des monstres, fais gaffe. Mange un peu pour régène. Si tu montes ton cul, voilà ce qui va t'arriver, mon gras. Mon gras. Bon, en fait, c'est un mélange entre mon gros et mon grand. Mon gras. Et gros, grand et gras. Alors, est-ce que je vais monter là-haut? Bah, de toute façon, là, je suis revenu quasiment au... truc là. Donc je vais aller essayer d'améliorer mon arme, vendre tout ce que j'ai à vendre et je reviendrai me balader parce qu'après tout on est là pour ça, non? Alors je vais pas commencer par vendre, ça n'aura aucun sens. Par améliorer mon arme, je vais commencer par vendre, ça a plus de sens. La hache à deux mains, je veux bien la garder parce que si un jour j'ai les stats, je pense qu'elle va tabasser sévère. Comme c'est du dot, il n'y a pas d'armure sur les dots. Alors, qu'est-ce que j'ai à vendre? Lâche, barbée et réfléchissante. Elle tape bien, mais c'est que des dégâts normaux, c'est pas du saignement, c'est rien, donc... Hop, ça, on vend. Lance-harpon, on vend. On va garder l'arc de chasse, je n'ai pas besoin d'autre chose. On peut vendre un anneau de constitution. Réserve d'énergie mentale, ça, on peut vendre, parce que je ne veux pas jouer clair. Les nénuphars, on peut vendre. Armure de chitine. Ah, tuyau, en fait, c'est une trompe, quoi. Ouais. Ouais, du coup, j'ai 4000 élex. Ouais, donc... 107 ferrailles, ouais, je peux peut-être en vendre 80, quoi. Déchets électroniques, c'est pareil, je peux peut-être en vendre 60. Pépites d'or, je peux peut-être en vendre 25.
minerai de fer, je suis peut-être en vente 40. Je pense que ça, c'est pour faire des. L'or, le fer et tout, c'est pour faire des. Comment ça s'appelle? Des bijoux, je pense. Je suis riche. Bon, la richesse, elle peut partir en 3 secondes, hein, sur ce jeu. $6200, bien! Tu vois en quoi? T'as une épée cornue. Je pourrais l'utiliser. Elle tape beaucoup plus fort que ce que j'ai. Mais justement, c'est là qu'est l'intérêt. Je vais améliorer mon stuff. Ignis Artifex, j'ai pas encore la dex. C'est des dégâts de feu. Ça tape à peine plus fort que ce que j'ai, tu vois. Donc c'est pas intéressant. Massacreur, c'est une arme à deux mains. Ça tape super fort. Mais voilà, bouclier de guerre, c'est ce que j'ai. Il y a un autre type de bouclier chez Joe Laburge. Chez l'autre marchand, je crois qu'il y a un autre type de bouclier. Enfin, j'ai un message comme quoi mais les pilotes graphiques peuvent être mis à jour et résultat, ça m'a collé un écran noir là. Alors, le marchand, il est où l'autre? Il est là, non? Ouais. Là, c'est con. Restez zen, les gars. Ça, parce que je suis pas passé par devant son comptoir, quoi. Alors, toi, tu vends quoi? Toi, tu vends vraiment hache de bataille 2, c'est une arme à deux mains. Tu vois, c'est ça, bouclier de guerre, quoi. Mais il faut 50 en constitution. La chose que je n'ai pas. Tu vois, chez Joe Laburge, il a quelque chose à me dire, ou à me proposer, ou à réagir. Non. Alors, l'épée énergétique de Régent, tu peux l'améliorer. Tu gagnes 17 en dégâts. T'as dégâts 64. C'est un truc de fou. Et elle est encore une fois améliorable. Avec des pépites d'or. Pour avoir 80 en dégâts. 63 force, 63 dex. Est-ce que c'est encore des dégâts d'énergie? J'espère, parce que sinon... C'est pas des dégâts d'énergie. Parce que je veux dire, c'est pas des dégâts d'énergie. Merde alors. Donc c'est pas intéressant. Tout juste. Bonus XP des monstres, hein, gemme verte. Ça m'intéresse pas là du coup. C'est con à dire, mais ça m'intéresse pas.
L'autre, elle tape beaucoup plus fort, mais je veux dire, c'est pas des dégâts d'énergie, quoi. Ouais. Du coup, là, faut que tu recartages, quoi. Faucheur sanglant, le problème, c'est... Je suis pas sûr que t'aies assez de points. 61 en force, 38 en constite. Alors, constite, il te faudrait déjà 16. En force, il te faudrait 12. Donc, il faut 28 points. Il te manque 17 points. Donc, il faudrait que tu fasses 9 potions. 9 potions, c'est 36 élex. Donc, c'est 3600 plus. Oh, je pourrais, ouais, me faire ça. Après, la question, c'est. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je veux dire, est-ce que. Le fait d'avoir des dégâts d'énergie, c'est tellement supérieur. Dégâts d'énergie, il y a des dots associés. Donc tu tapes fort, mais en même temps, il n'y a pas d'armure et tout. Donc, pour ça que je pense que cette hache, elle peut vraiment faire très très mal. Moi, je veux clairement une arme qui fasse pas des dégâts physiques. C'est tout. Je pourrais acheter cette épée, mais 5000 gold pour. Et finalement, je pourrais avoir mieux avec l'épée si j'améliore, quoi. Problème, c'est à part Ignis Artifex, j'ai rien qui fasse mieux que des dégâts physiques, ou autre chose, on va dire, que des dégâts physiques. Furie de Gaïa, si, fait des dégâts physiques aussi. Ok, donc absolument aucun intérêt. On va voir Fenk et on va lui acheter de quoi faire 9 points, ça fait 18, donc ça fait... Non, c'est pas 18, bah si, je t'en ai 11. Il te faut 16 points pour la constitution et 12 points pour la force. Donc ça fait bien 28, t'en as 11, il faut 17 points, 17 points, c'est ça. Non, c'est ça. Faut que t'achètes 36... Elex brut. Toi, tu vends quoi? Tu vends pas d'armes, hein? M'en faut 6. Je vais en prendre 10. Ouais, je vais en prendre 10. Allez, ok. Là, je pourrais pas m'acheter deux skills par contre. Non, je crois pas. Il va falloir que je m'achète beaucoup de vin alcool, je pense. Ça va me coûter 500. C'est ça, vin alcool.
sur elle. L'auberge est tout droit. 20 alcool. Alors, bah, alcool 20, c'est ça que ce sera stoppé. Merci. Est-ce que j'ai quelque chose à te vendre, toi? Ouais, l'épée large. Alors, on va faire une bonne séance de craft. Et je vais tester comme ça l'hache. Mais je peux pas tester l'hache. Bah, si, je l'ai. Connard. Ah, c'est vrai, je crois que c'est une hache qu'il fallait que j'achète. Mais non, je l'ai pas déjà vendue au moins. Non, elle a faucheur sanglant. Ah, ok, tu m'as fait peur. Alors. On va commencer par crafter les potions d'Elex. On va en fabriquer 10. Ensuite, on va améliorer cette épée de régent. Malheureusement, c'est l'épée énergétique deviendra épée de régent. Je peux la détruire et récupérer de l'ex brut. Oui, ce serait pas très intéressant. Alors du coup, Constitution 38, force 61. Et maintenant, c'est 5 points d'attribut pour passer à plus de 60, en fait. Putain. Le 60-70, il va être hardcore, sur mon avis. Alors, je peux utiliser Faucheur Sanglant, dégâts 57, ou l'épée de Régent, dégâts 64. Ok, donc là je sais pas encore ce qu'on va faire. On a 431 élixirs, c'est trop peu pour faire quoi que ce soit d'intéressant. On va peut-être regarder au niveau quête. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Ça fait longtemps que j'ai pas regardé au niveau des quêtes, ce qu'il me reste à faire. Vers des terres étrangères, nouveau territoire. Ok. Ça. Il faut aller trouver Monsieur Stormson. On va lui expliquer notre façon de penser à Monsieur Stormson. On va aller pour la première fois de notre vie à Ignadon. On va pas s'intéresser à Ignadon, on va juste aller défoncer avec de la Stormson pour revenir. Je suis sûr qu'on va me donner un bon prix pour sa tête. J'en suis sûr et certain. Enfin, j'espère en tout cas. Cette hache fait pas tellement mal. Je suis un peu déçu même par les dégâts qu'elle fait. Toutefois, voilà. Halt, stranger. Not another step. You're walking on the holy ground of Kalan. The only people allowed in here are clerics, recruits, or traders with... Measuring stress level. Potential lie detected. Recommend renegotiation. What is he saying there? I'm not lying. Nobody gets by me without a good reason. Where am I? You are in Ignadon. At the Hort, the stronghold of the clerics, the repository of Magellan's knowledge and
last bastion of the free people against the threat of the owls. So how can I get in? Sorry, I thought I made that clear. You can only enter the horde. Can you recruit me? No. Here, is this a... I'm going to pretend you did. That sort of thing might work in Tavar, but here in Ignadon, although accepting charge is forbidden, but and perhaps persuade. Alors tu veux que je fasse quoi? You have a deal. Pour me laisser rentrer. Good, right. I can't talk about this now. There's an inspection. But we'll talk later, all right? Unless you've got any questions about the horde I could answer for you, you won't find Kalan's commandments too strict. You should know that anyone bringing initiative. Tout ça, c'est un esprit clair, pas de prod. Faut entendre les paroles de Kalan. S'entraîner, gna gna. Sont conservés mes machines, ont des mécas. Qui est responsable ici, le judicateur, tu es trouvé, blablabla. Do you offer any sort of training here? The man you're looking for is Hagen. Just go through the stairs by the lava pit. He's usually up there somewhere. Oh bordel, j'aime pas cet endroit. Salut colosse de guerre. Analyzing surroundings. Detecting only a low concentration of ulets. Numbers of resident human organisms are low. Recommend non-violent methods to gather information. Analysis suggests a high chance of profitable data and equipment in this location. Stormson n'est pas loin. Il a l'air d'être juste là. Are you Stormson, the Berserker? And who are you? Oh, I can see from that. How did you get? Look around you. As we left Goliath, we ran into a group of clerics. The guards, the ones Angrim sent to kill me, decided to pick a fight. They lost. The clerics saw I was a prisoner and gave me a choice. An actual, real choice, not like Angrim. And so... You betrayed the... You really want to serve Angrim? The law is... I am sworn... Time to teach you a lesson! Bon, on va retourner voir Angrim, hein. Donc, à tuer Stormson. J'espère que tu me donneras un bon prix pour sa mort. Si le chargement se termine un jour. On va essayer avec cette arme, mais je veux dire, avoir perdu une arme à énergie, je suis pas sûr que ce soit un bon calcul. On va voir. Stormson is dead. Then his debt has been paid, and I will pay mine. You have done well. 500 éclats. J'espérais un peu plus. De toute façon, maintenant j'ai fait le choix, j'ai amélioré mon épée, elle n'est plus énergétique. Mais je pense que c'était une très mauvaise idée. T'as fait un gros bonus aux dégâts, mais je pense que c'était une très mauvaise idée. Teach me something. Sure.
Maintenant, connard, c'est 1000. Tu les as pas, les 1000. T'as pas beaucoup réfléchi avant de venir ici, hein. Ouais, y a pas de marchand ici. Faut que tu descendes voir Joe Laburge en bas. Au Mana Shrine. Ouais. What goods have you got? Sure. What goods have you got? Sure. Non, c'est pas exactement la réponse qu'on attend normalement. Voilà, on vend un peu quelques pépites de soufre aussi. Maintenant on a 1000 gold, on peut retourner voir Kenny McCormack. Voilà, arme de corps à corps, on a gagné encore un point. Le mieux à faire, on va au local là, de la société West Eden et on va faire un test de bâche. Avec cette épée, je pense que c'est beaucoup moins bon parce que là, du coup, maintenant, bah, les dégâts vont être confrontés à l'armure, alors qu'avant, ils ne l'étaient pas. Bon, là, on ne pourra pas refaire de test sur ce mob parce que ce mob est bidon, mais... Il nous faudra un gros mob qui tâche, quoi, tu vois. Techniquement, le cyclope. Je suis pas exactement sûr que le cyclope soit le meilleur mob pour faire des tests, mais... Why not? À mon avis, lui, c'est plutôt pour une nuage de saignement qu'il faudrait le prendre. Ok, bah je lui ai pas fait des gars du tout. Ah, la personne, elle est énervée, hein. Non, mec, ça, c'était complètement con, là. Rester devant pour lui taper, tu tapes pas sur un mob comme ça quand t'es devant lui, s'il te plaît. Maintenant, on va essayer avec la hache. J'ai la sensation que les dégâts de saignement sur un mob comme ça, ça va être beaucoup plus efficace. Ouais, ok. Toi, comme un mongolien, tu restes devant encore une fois. T'as pas appris la leçon, quoi. Faut pas taper sur ce mob tant que t'es pas derrière ou sur le côté. Thank you.
Ouais, en fait, tu fais beaucoup plus mal, je trouve, avec cette hache. XP400, il est mort. Ouais, je te dis, en fait, je pense que c'est cette hache avec ses dégâts de ouf. Deux élex bruts sur lui. Ah, intéressant. Très intéressant, oui. 400 XP, deux élex bruts. Ouais, bah, intéressant. J'ai totalement oublié de me refaire des potions de soins, d'ailleurs. Mais franchement, je pense que les dégâts de saignement sont ultra fat. Les dégâts en dot, les dégâts qui ne sont pas mitigés par l'armure de manière générale, sont à mon sens beaucoup plus efficaces sur ce jeu. Cette arme-là, elle tape, hein, il n'y a pas de problème, mais... vers l'autre, tu fous deux coups et puis après tu laisses le dot faire le boulot, quoi. C'est ce que je veux dire, c'est... Analyzing structural integrity. Oh, l'élex brut, bah dis donc, c'est la fête. Déjà 3 élex bruts. Plus qu'un, je pourrais me refaire une potion. Bon, la question c'est quelle stat vais-je augmenter, mais ça... Ça c'est une excellente question, quelle stat vais-je augmenter? Probablement de la dex. Pour aller chercher le CAC, le arme de corps à corps 3. Crony, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Merci Crony de ton aide absolument impressionnante. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi, hein? La même chose. Exactement. La même chose. Oh là là là. Franchement, si c'était à refaire... Je crois que je vais aller récupérer Falk vite fait, moi. Mais vite fait, je vais aller récupérer Falk. Moi, je te le dis. J'ai pas looté lui. Bon, alors du coup, maintenant j'allais où? J'aimerais bien aller faire la vallée là, tout ça là. Donc j'essaie d'aller voir ce qu'il y a là au bord de la mer.
Vous vous souvenez, il y avait en contrebas là, il y avait plein de trucs. Ici, le repop, il va à une vitesse. J'avoue qu'ici, le repop est démesurément rapide. Au moins, le repop des petits mobs. Peu, je suis déjà venu tuer tout le monde, mec. Même si ça repop, je peux recommencer, hein. Mais ça a déjà repop, effectivement. Hein. Vous comprenez pourquoi l'XP peut pas être importante sur le bash? Quand vous voyez la vitesse à laquelle ça repop, c'est pas possible. Vous comprenez? Je veux dire, ce roadboard, il est déjà là, quoi. Non, c'est pas un roadboard, c'est un mulch. C'était des roadboards au départ. Sur le repop, on a un mulch. Mais dans tous les cas, voilà quoi, il y a du repop et ça vient vite. Donc ça peut pas, les mobs peuvent pas donner vraiment beaucoup d'XP, c'est pas... Si les mobs donnent trop d'XP, moi je reviens ici... Je reviens toutes les 3 secondes, enfin tous les 3 jours, et puis voilà quoi, je me tape la blinde d'XP à chaque fois quoi. Vous voyez ce que je veux dire? De l'ex brut, hop, ben voilà, j'ai de quoi me faire une nouvelle potion, sans dépenser d'argent. Parce que c'est pas tout ça, mais j'ai des points de skill, il faut que je m'achète des skills aussi, donc il faut que j'y aille un peu mollo maintenant sur la dépense d'argent. Qu'est-ce qui se passe encore, bordel? C'est qui là qui me balance C'est qui me tire dessus lance-roquette là? C'est fini, oui. Initiating area scan, detecting high levels of obsolescence. En fait, je tue pas les mobs plus vite qu'avant. Non, puisque forcément, il y a une partie de mes dégâts qui sont mitigés, donc c'est naze. Effectivement, c'est un peu con. Quoi, no? Yes. Alors non, c'est ça, puis ensuite tu vas au bout. Non, ça, puis ça, ensuite tu reviens au départ et tu finis au bout. Petite potion de guérison 5. Élan créatif, c'est un prod artisanat plus 5. Et une cartouche de cigarette, c'est-à-dire 200 gold. Voilà, ça c'est bien. 200 gold, c'est bien. C'est même très bien. Non mec, c'est pas l'heure de t'asseoir.
Pépite d'or, c'est utile si je veux améliorer mon arme. Il faudra 9 pépites d'or. Ah, toi, tu m'as fait des putains de dégâts saignants, bravo! Tiens là-bas le mec avec son espèce de pistolet à peinture. Pistolet à peinture, rappelons-le, c'est quand même l'un des loots les principaux de Fallout New Vegas. XP, un chef écorcheur. Hein. Voyez-vous, un 124 et l'exit. Hein. Il y a un skex chez les écorcheurs. Toi, tu lâches mon robot, putain. Voilà. Skex ou griffe machin là. Logiquement griffe machin là, les Skex. Les Skex c'est plus de ce niveau là. C'est version améliorée ça. Non c'est les Skex. Non, non, nice try, mec. Quand même bâché ici, on a fait mal l'XP hein. Ouais, j'ai fait pour l'XP d'une quête hein, en bâchant ici, et c'était assez facile en plus. Bon, ça m'a coûté 2 potions de soin hein, tellement c'était facile, mais bon. En fait, il faudrait que je prenne piratage 2. En skill, qu'est-ce que je peux faire? Arme de corps à corps 3, c'est force 85. Ça existe, force 85? C'est débile. Jamais tu peux arriver à ce niveau-là de force sur le jeu. Puissance d'attaque, c'est trop loin. Ici, il y a armure que je voudrais prendre, mais il faut monter constitution à 55. Donc, c'est 34 points. Donc, on n'est pas, rendu. Trophée animaux que je voudrais prendre, mais il faut monter intelligence à 55. Donc, c'est 40 points. Je pense que je m'arrêterai au point où j'en suis. Crochetage, je suis à 2. Bon. Puis, donc, ouais, piratage, je vais monter à 2. Il me faut 500. Ouais, tout à fait.
Toi, tu t'es vu buter par les skeks, toi. Salut Lex Brut, allez! C'est toujours bon à prendre, hein. C'est toujours des points de caractéristiques gratos. Ou alors, tu peux faire du craft pour améliorer ton arme. Ou alors. Ok, on va essayer d'arranger un peu plus loin là. Il va falloir que je finisse bientôt cet épisode. Ça fait 1h15 que j'y suis bientôt. Je veux juste faire le tour de ce petit endroit. Je savais pas ce qui s'y trouvait. Bon, bah, quelques écorcheurs. Les écorcheurs, c'est Freepex maintenant. Ouais, c'est complètement Freepex maintenant, effectivement, pour moi. Et des skeks qui sont pas fondamentalement plus compliqués. Il fut un temps où les skeks étaient des ennemis compliqués. Mais ça, c'était avant. Alors, on va refaire 13 bouffes parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas cuisiné de bouffe. C'est là qu'on est déjà venu. Bon, ok. Bon, on a fait le tour de cet endroit. Et ben voilà qui clôt nos aventures pour aujourd'hui. On reviendra demain pour continuer nos aventures. Alors notez que vraiment du côté des dalles, on a vraiment plus grand chose à faire. Là, on n'a plus qu'à... Il nous reste essentiellement à retrouver les gars pour les quêtes de Ragnar. Et donc pour ça, il va falloir aller à Tavar, ou à Bessa, ou à Gnadon. Dans tous les cas, il va falloir quitter Edan. Donc si je veux continuer à bosser à Edan, bah, il y a la quête de la gonzesse, là, je ne sais plus comment elle s'appelle à faire. Et puis, j'ai pas encore visité cette vallée, donc je pense que je commencerai par essayer de visiter la vallée des exilés demain, parce que les exilés, il y en a pas mal tué, et puis c'est 100 XP le mob, donc c'est quand même relativement pexatif. Ouais, je suis comme à 55-60% de mon niveau, là. Il faudra que je décide d'une direction à prendre. Soit je monte la constitution, soit je monte la dex, je sais pas encore. Intelligence ruse, en fait, je sais pas si je vais monter tant que ça, parce que des skill points, t'en as pas énorme. Les sorts, bah, dit comme ça, ouais, tu peux choper tir dispersion, tir chercheur, c'est cool. Mais je suis pas vraiment, voilà, je devrais prendre arme de tir. Quoique c'est arme de tir, moi c'est pas des armes de tir que j'utilise, mais bon, on va supposer que c'est des armes de tir, quoi. Le problème c'est qu'il dit pas si c'est une arme de tir, donc il faudra faire une save si tu veux tester ça. L'arc de chasse des gars 45 c'est pas si mal, corde spectrale ce serait mieux, mais 70 en force mec, bon t'es à 61 hein. Mais il faut 45 points de skill pour enfin de stats pour augmenter ça. Après si tu peux utiliser ça, bah l'arc tu peux te faire plaisir quoi. Bon moi je vais plutôt jouer au CAC, donc moi, je regarde, si j'améliore cette épée de régent, quelles seront les stats nécessaires? Je crois que c'est 63 en force et 63 en dex. Donc, je vais plutôt augmenter ça, la force à dex, et puis essayer d'être un gros bourrin au cac, quoi, parce qu'il n'y a pas de raison après tout. Et puis voilà, ce sera notre plan pour le reste de la semaine. Donc, de quoi s'amuser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.